C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va parler bien sûr de l'arrivée du Royal Baby qui passionne l'Angleterre. Stéphane Bern, vous êtes en duplex de Buckingham Palace. On veut des nouvelles de Kate Middleton. Oui, tout à fait, reine-mère Julie. Ah bah tiens. Oh, quand vous m'avez envoyé à Buckingham, oh, pardonnez-moi, j'en savonne. Quand vous m'avez envoyé là-bas en me disant « va faire la quête », oh, mon sang bleu n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, oh non, la quête, je l'ai déjà faite, la quête pour Macron et ses châteaux en ruine. Non, que nenni, c'était pour l'accouchement royal dont le formidable Bruno Donnet vient de parler dans sa formidable revue de presse. N'est-ce pas, Bruno? Ah oui, encore. J'ai envie de vous dire... Rebonjour, c'est Bruno Donnet, l'autre voix de l'info. Avec moi, c'est la revue de presse en montagne russe. Ça monte et ça descend. Je suis le Marcel Campion de la news. Accrochez-vous, c'est parti. C'est le titre qui fait donc la une de tous vos journaux. Il est né, le divin enfant, Arthur, Albert ou James. On ne sait pas encore comment il s'appelle. Pas étonnant, on ne comprend pas encore ce qu'il dit. Il pèse... 3,8 kg, 7,2 kg avec la couronne. Stephen Bern attend son arrivée depuis, eh bien, déjà depuis 9 mois. Date du départ des Royal Testicules jusqu'à son arrivée dans l'ovule princière. Oh mon Dieu! Mon Dieu, que tout cela est joliment dit! Bravo mon Bruno Denet! Le prince de la revue de presse. Oh non, attendez, faites-nous grâce des détails tous les deux. Donc c'est un garçon. Hein? Oui, oui, quel dommage. Franchement, quoi? Là je suis contrit, une fille serait tellement mieux. Vous savez que pour le prénom, Kate voulait rendre hommage à la mère de William. Ah, en l'appelant Diana, j'imagine. Non, en l'appelant Mercedes. Oh non, j'ai dérapé. D'ailleurs le véhicule du même genre. Alors vous qui savez tout, comment s'est passé l'accouchement, Stéphane? Alors moi je sais tout, je peux vous dire, formidablement. Bon, certes, Kate a un peu couiné au moment du passage de la couronne et du sceptre. Mais juste après, les médecins ont accueilli le royal nourrisson, recouvert, il faut le dire, du placenta princier et de liquide amniotique seigneurial. Oui, bon, oh, quelle chance il a eu. On paierait tous pour être enduits de la sorte, franchement. Ah non, écoutez, parlez pour vous. Bon, pendant ce temps, Elisabeth II fêtait ses 92 ans. Enfin, eh oui, 92 ans. Autant vous dire qu'il fait bon être vendeur de couches dans le quartier de Buckingham. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on va vous laisser, Stéphane. Oh, que d'images. Non, mais vraiment, oui. Vous êtes spécialiste des images. Allez, à bientôt. Je vous embrasse. Nous aussi. On va joindre maintenant Emmanuel Macron, qui poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, hello, everybody pour les garçons et everybody pour les filles. Alors, vous êtes en duplex de la Maison Blanche ce matin. Hein? Tout à fait. Je suis en duplex. Voilà. Alors, hier soir avait lieu le dîner privé avec Donald Trump. Vous lui avez offert un arbrisseau de chêne qui a grandi sur le site d'une bataille de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors écoutez, je sais que les mauvaises langues diront que j'ai offert un chêne à un gland. Mais oh, c'est faux. Oh là là. C'est faux, car c'est mon copain, Donald. Oui, c'est mon copain. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas le chien le meilleur ami de l'homme. C'est le Donald. Alors, quid de l'amitié franco-américaine, Monsieur Macron? Elle est réelle? Ah, quid de l'amitié franco-américaine? Je ne dis plus quid, Julie. Non. Et c'est vrai que ça me manque de ne plus dire quid. Je me freine. Alors, Monsieur le Président. Écoutez, vous posez les questions à ma grande surprise. Une question passionnante, quasi philosophique. Vous me demandez en clair si je suis ami avec Donald Trump, autrement dit, et c'est un excellent sujet d'ailleurs pour notre ami Raphaël Enthoven, peut-on être ami avec plus con que soi? On dirait un sujet de philo ou de chronique. Allez, c'est cadeau, c'est offert, c'est cadeau, Raphaël. Mais j'ai déjà parlé. Enfin bon. Allez. J'ai déjà parlé, pardon. Excusez-moi. Bonjour, c'est Raphaël. Effectivement, c'est passionnant. Si l'amitié suppose l'admiration, peut-on admirer plus con que soi? J'ai envie de vous dire et de vous répondre par l'affirmative, car vous êtes tous autour de cette table mes amis, bien que vous soyez, a priori, bien moins lotis, un peu plus con que moi, disons-le. Car oui, l'amitié implique la franchise. Oui, bon, écoutez, oh, ça va, c'est bon. On va vous laisser, Monsieur le Président. Bonne fin de séjour. Oui, hein. Merci. Voilà. Emmanuel Macron, mais au fait, qui a-t-il emmené aux États-Unis? Sur la liste, il y a Cédric Villani, Thomas Pesquet, Christine Lagarde, Laurent Saïm. Et pas vous, Ségolène Royal? Bah non. Couillonne. Couillonne.
Est-ce que j'ai l'air d'être à Washington, hein, ou rue François 1er à ton ami, hein, Julie? Non, je suis resté sur le Tormoc. Hein, je suis un peu Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Hein. Moi, c'est plus Macron, j'ai raté l'avion. Hein. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Cédric Villoni? Oh, bah, c'est un peu un génie des mathématiques, quand même. Oui, oui, oui. Et alors, oui, moi aussi, hein. Vous savez, 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 16, 16 fois 16, 16. Oui, bon, Cédric Villani, admettons. Hein, mais Hulot, il est prostate, Hulot? Ah, ben non, je crois pas. Hein. Oui, eh bien, tant mieux, parce qu'il a du travail. Hein, il doit continuer à ne pas régler Notre-Dame-des-Landes, et ça, c'est du travail. Hein. C'est vrai qu'on l'entend peu, Nicolas Hulot. En revanche, on le voit pas non plus. Hein, c'est l'avantage. Eh bien, merci, Ségolène Royal. Emmanuel Macron est donc aux États-Unis. Il est apparu sur les chaînes américaines, et pourtant, les Américains le connaissent à peine. François Hollande n'avait pas une grosse notoriété non plus outre-Atlantique. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous connaissez bien les États-Unis. Trop. Et réciproquement. Ce n'est d'ailleurs, aujourd'hui à votre antenne, ce n'est pas l'ex-président du FMI, ce n'est pas le romantique au cœur d'artichaut que vous connaissez non plus, c'est le consultant en buzz médiatique en zone américaine que vous recevez ce matin, cher Julie Charpentier. Alors, Dominique Strauss-Kahn, comment faire quand on est inconnu pour être connu rapidement des Américains? C'est très facile. Ah. Je vous propose de devenir connu dans tous les États de ce beau pays, que sont les États-Unis, pour moins de $250. Et pour cela, il vous suffit, notez-le, de vous munir. De quoi? D'un peignoir d'hôtel. D'une valeur d'environ 140 euros. D'une paire de chaussons d'hôtel, 8,50 € Made in China. Et d'une simple plaquette de Viagra, 45 euros, sur le total, 197 euros. Et ça suffit pour être connu aux States, ça, alors? Mais écoutez, au risque de vous paraître prétentieux, oui, tout à fait. Donc je le dis à nos auditeurs qui sont intéressés, bon buzz américain à tous. Je tiens à honorer, si vous permettez, le saint du jour. Bonne fête à tous les fidèles. Ah oui, c'est la Saint-Fidèle aujourd'hui. Bah, c'est votre jour, hein, Dominique Strauss-Kahn. Tout à fait. Hein, allez, à bientôt. Merci. Un mot de la plus célèbre affaire criminelle française, l'affaire Grégory. Des experts désignent désormais la grand-mère du petit Grégory, Monique Villemain, comme l'auteur des lettres anonymes. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour à toute votre brigade. Bien réveillée, je dois le noter ce matin. Oui, encore heureux. Alors, écoutez, attention, je rappelle tout de même que la grande révélation du mois de juin dernier, souvenez-vous, c'était que Muriel Boll était donc identifié comme étant le corbeau, ou la corbette. Bien. Oui. Et avant cela, il y avait eu Bernard Laroche, sa tante, puis un voisin, puis un chien, puis une truite, j'en passe, et des meilleurs. Mais pourquoi on n'arrive pas à trouver un coupable? Mais je crois que, chère Julie, vous l'avez dit en préambule, ce sont des experts français qui cherchent. Si c'était les experts Manhattan ou les experts Las Vegas, on aurait un coupable depuis longtemps, mais il y a, vous savez, la même différence entre un expert français et un expert américain, la même différence qu'entre un crooner américain, je citerai Frank Sinatra, et un crooner français, Danny Briand. Ah oui, on comprend mieux, oui, là. Qu'entre un rocker américain, Elvis Presley, un rocker français, Dick Rivers. Oui, on a compris. Qu'entre un rappeur américain, Jay-Z, Zed, et un rappeur français, Doc Gynéco. Oui, c'est bon, monsieur Colomb. Beyoncé et Tal, contre Michael Jackson et M. Pokora, oui, bon. Contre Oprah Winfrey et Julie Leclerc. Oh, bon, d'accord, Oprah Winfrey et Julie. Merci Gérard Collomb. Donne-moi bien l'heure. À l'avantage de la seconde, oui. Allez, direction Notre-Dame. Direction Notre-Dame-des-Landes maintenant. La situation semblait apaisée ce week-end. Mais hier, les pelleteuses ont à nouveau démoli des cabanes. On va voir comment est l'ambiance sur place. Non, arrêtez. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Alors, vous êtes toujours sur place, vous ? Mon aéroport, j'ai passé toute la semaine dernière à construire un aéroport clandestin avec une tour de contrôle en macramé. À la tour en macramé ? Ne démolissez pas ma porte d'embarquement numéro 7. Je vais la terminer. J'ai passé des heures à sculpter tous ces fauteuils en purin séché. C'est un drame, Mme Julie. Ça fait 2 fois qu'on me retire mon aéroport dans cette région. Oh non, pas mon terminal. Hey,
merde. Mon terminal en merisier. Bon, de salaud. Mais consolez-vous, monsieur Hiro, ce sera pour une prochaine fois. Mmh. Allez, vous recommencez. La prochaine fois, mon cul, oui. J'ai compris, ce ne sera jamais sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai compris, hein, vous savez, je ne m'avoue jamais vaincu. J'ai décidé de construire un aéroport chez moi. J'ai déjà tracé les plans, j'ai mis 7 pistes d'atterrissage dans mon jardin, ouais. J'ai viré toutes les affaires de ma femme dans le dressing pour y installer les ordinateurs de vol que j'ai achetés sur le bon coin. Elle va être contente, votre femme. Oui, vous savez, non plus, elle n'a pas besoin de 50 paires de chaussures dans le dressing. Sont à la besoin, comme tous les Nantais d'ailleurs. C'est d'un aéroport. On a bien compris. Nicolas Cantu. Europe 1.